Salut les youtubeurs, c'est Coach, c'est Anne, ça va ou quoi? Bon, je suis arrivé au Liban, mais pas sans galérer, regarde ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous faites partie de la Snapchat, vous savez que là je suis à l'aéroport, il est presque 4h du mat. Je suis avec mon ordi, je suis posé et j'attends mon vol pour aller au Liban en passant par la Turquie. Donc j'ai une escale, je vais être fatigué, t'as vu ma tête comment je suis chaos technique. Bon, on est en direct aussi de la Snapchat, si vous me suivez pas sur Snap, suivez-moi. Là, voilà, ils viennent de nous dire que le vol est annulé, tout le monde commence à se rapprocher. Ils se foutent de ma gueule, ça fait 4h qu'on attend, pour rien. Ils auraient pas pu nous le dire direct, là c'est la merde, je vais jamais aller au Liban. Voilà les youtubeurs, ça, on va récupérer les bagages, vous croyez la vie de freestyler c'est toujours ça, les strass, les paillettes. Même quand t'es installé dans la meilleure des classes, ça se passe pas comme tu veux. Parfait. Merci, au revoir. Bon voilà les youtubeurs, j'ai changé mon billet. Je suis parti sur un tout autre truc. Et là on va faire la surprise à quelqu'un. Vous allez voir. Ça y est, on embarque les youtubeurs, on embarque. Il est temps de dormir. On est réveillé et comme par hasard on est en retard pour la connexion. Donc je suis pas sûr d'avoir le vol. On va voir. Bon voilà, j'ai réussi. Tu vas avoir l'avion, mais en fait ce qui est relou c'est que d'une part ma valise elle va pas réussir à l'avoir, ça fait chier. Deuxièmement, quand je vais rentrer dans l'avion, tout le monde va croire que j'étais en retard. Mais d'habitude je suis en retard normal parce que c'est mon style. Mais là en fait c'est pas de ma faute. Et j'aime pas ce délire là. Bonjour. Je suis dans l'avion, Elodie et Jimmy doivent être dans le même vol. Ouais, là, enfin c'est surprise. C'est un truc de fou, hein. Je devais sortir en mode VIP, là je me retrouve sans valise, à la traîne, tout le monde m'attend, ça rend dingue. Et en plus je dois revenir chercher ma valise, c'est même pas... Il me l'amène, c'est un truc de dingue. Ah bon ça va, je suis sorti sain, sauf Mélodie elle est réveillée. J'ai pas de problème. Elle sait que c'est plus un rêve. Ah ouais, dis bonjour, il y a le alors, coach qui est là. Bon t'as vu la youtubeur, j'ai galéré, j'ai changé d'avion, j'ai couru, j'ai même pas ma valise mais je suis au Liban. Voilà, petite vue sympa, je te montre la chambre de Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Mister Jimignon. Voilà, il va filmer aussi pour la chaîne S3 avec nous. Comme ça on va faire plein de vidéos la youtubeur, la chaîne S3, la chaîne CN, la chaîne Coachian, toutes les chaînes du monde. Regarde moi ça. Voilà, petite chambre sympa. Alors je vous explique, il est en train de faire un snap. Jimmy qui est en train de jouer au drone. Et lui il a voulu faire le malin, le mettre dehors. Elle a tapé un mur et il est parti. Il est en train de chercher son drone. Il va se faire écraser. Enfoiré. Je l'ai pas retrouvé, je crois que c'est sur le balcon. Ah, à mon avis il est sur le balcon. Sur quel balcon? Sur un des balcons, en fait là je vois pas parce qu'il y a les apparts que j'ai. En plus t'as mis un espace de dingue. Achète tout doucement, mais le truc il descendait pas parce qu'il y a trop de monde, tu vois. Pas grave la famille, mettez un pouce bleu si vous voulez que Céane il me rachète un drone. Ah ouais, je pensais me raser et me faire beau gosse, mais j'ai toujours parti ma valise donc je vais aller comme un clochard. C'est pas grave. Bon bref, vous avez pas compris, en fait on est en direction du gala dîner autographe. Tu as le flow pour aller à un dîner? Normal. Ça va, il y a pire. L'entraîning, le mec devant. Je me sens mieux d'un coup. Voilà, c'est bon. Ok, Yann. J'ai grave honte. C'est vrai que j'étais sélectionné en dernier et que j'ai pas trop eu le temps d'envoyer des photos, mais s'il te plaît, choisis une bonne photo. Regarde la tête que j'ai. Regarde, ça passe. Parce que regarde mes loups. Ok, c'est bon. Photo, c'est mieux. Fais un pas de danse, tu veux. Vas-y, fais un pas de danse. Mais non. J'aurais dû me dessiner et lui mettre un petit pont. Eh la youtubance, après les autographes, c'est le temps de rafraîchir l'estomac, tu vois. Donc là on est sur le terrain en fait, là où aura lieu l'événement juste demain, regardez-moi.
Tu vois, là on est sur le terrain, il y a les lumières, les sièges et tout, et on va manger en plein milieu du terrain, c'est pas le luxe ça. Demain, ok, tu dois fermer les pieds. Je dois voir. Tu dois fermer quoi? Je ferme mes pieds demain. Seulement. Quand tu me vois, tu fermes tes pieds. Ok, toi tu, quand tu me vois, tu fais quoi? Toi et lui, c'est lui encore. Tu sais avec qui tu parles? Voilà les youtubeurs, c'est la fin de la journée. On va aller dormir parce qu'on est très fatigué. Je pense qu'on va. Je vais un peu bosser sur les vidéos vite fait. Et ensuite on va aller dormir. Jimmy est déjà KO. Journée de folie demain avec des tournages, un match de dingue, enfin plein de trucs. On va continuer le vlog, donc voilà, bonne nuit à tous, on se voit demain. Bah. Eh oui la youtubeuse, bonjour, aujourd'hui j'ai reçu ma valise, elle est revenue, voilà. Et en plus de ça, la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu aussi le maillot. Bon, ils ont pas marqué scène, ils ont marqué Garnier, c'est pas grave, numéro 21, il est là. Il y a Jimino, mais Jimino, oh oh, qui est déjà en train de faire le montage de Best of Battle. Jimino, il fait le montage de Freestyle Battle, qui est la vidéo que vous pouvez voir juste en cliquant sur la petite fiche qui est en haut à droite, là, voilà, tu vois ou quoi. Et ben voilà, on va s'habiller, se préparer, et on se voit tout à l'heure. Ah, ça fait du bien la YouTube, hein, t'as vu ou pas? Regarde, hop là. Je suis beau gosse ou pas? Boum, bien habillé, dédicace à Alex et PJ pour les saps. Hades, allez checker sur internet. Voilà, on va manger. Bon, j'ai mis mon petit ball, Urban Bowl, t'as vu? Mon petit sac, c'est un peu blindé à l'intérieur, mais bon, on a essayé de tout mettre. Jimmy est déjà parti, il dit que j'ai foutu le bordel dans la chambre. Eh hey, la YouTube, on est arrivé, les gars sont venus là, ici à l'hôtel, pour faire un petit coucou. Juste pour lui, hein, pour lui. Voilà, ça fait plaisir. C'est le meilleur. Non, y a pas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que ce qui kiffait, c'est l'ambiance des vidéos. Eh ouais, les gars, on est tous ensemble. C'est l'ambiance, c'est la famille. Tu connais, ils viennent aussi de Côte d'Ivoire. Les amis à Tsikone, si vous connaissez pas Tsikone, il faut aller voir la vidéo là, tu sais, que j'ai fait avec Tsikone en Côte d'Ivoire. Il y aura le petit i là qui s'affiche, vous allez checker. Merci à vous tous qui suivez, qui venez dans tous les pays suivre. Voilà, on est ensemble, on est ensemble. Tu vois, il y a des pieds qui traînent par terre. Bah là, en fait, avant de manger, on a le droit à un petit show de freestyle, de mélodie freestyle. T'as vu ou pas? Wow. Oh là là. Putain, elle est bonne. En freestyle aussi. La demoiselle est venue, elle nous a demandé, vous voulez boire quoi? J'ai entendu Pepsi, de l'eau, un jus d'orange. Faut juste regarder par là. Fruits, ce qui veut dire jus frais. Strawberry, banana et with milk. Voilà. Alors, il est bon le choix fraise machin? Sur la deuxième, là. Non, j'en ai un, genre. Si vous savez pas ce qu'il faut prendre en bouffe limonade, je vous explique. C'est l'entrée. Avec du pain. Il n'y a pas mais les cheese là, les trucs cheese, je viens de manger là. Et les saucisses aussi. Ah. Le vol c'est à 2h pile. Ok, parfait. Merci, au revoir. On a changé les billets, tout est bon, toutes les classes sont bonnes, ça coûte cher mais c'est pas grave. Bon, nous sommes rentrés à l'hôtel et comme d'habitude pour détendre les muscles, la recette magique. Les ventouses la famille. Je sais pas si vous voyez. J'essaye de filmer, ouais, voilà. C'est une bonne stratégie. Là, je vous montre la boîte. C'est chinois, hein. Tapez ventouse, vous trouverez ça, je sais pas où. Hein. Mais ah. Tu te les mets tout seul? Bon, il a dit j'ai 2 minutes pour me préparer. On va voir si en 2 minutes, je sais faire tout ça. C'est lié à Jimmy, ça, en plus. Hein. Prêt? Ah, t'as vu ou pas? Bon, on est dans les vestiaires, on est en train de se préparer. Et là, je vais vous présenter mon équipe et vous montrer de quelle façon je me prépare. Là, ça sera en VIP. Et le gardien. Regarde, bon, je vous connaissais, hein, Nabil Killer. Tu sais, quand on a fait Ivan Van Gilles Sitman, il y a aussi Nabil Killer avec eux. C'est du lourd. Vous l'avez déjà vu, la YouTubeance? La légende Falcao, il va nous mettre des Lambretta toute la journée, tu vas voir. Toute la journée. Avec il est trop fort, Falcao. T'inquiète. Vous le connaissez déjà, j'ai même pas besoin de vous le présenter. Là, on est avec nous, on a Ibrahim Pavou. Hey, les gars, PES 99 en vitesse, vous savez pas, mais si vous connaissez pas, trop rapide. Et il a changé de coupe. Après, sur le côté gauche, j'étais obligé de prendre Ryan Giggs. C'était obligatoire. Voilà, et lui, crochet pied gauche, frappe, tu peux pas tester. Dis bonjour à la France. Hello, la France. Hello. Eh, voilà, merci Ryan. Quand on joue, on est obligé d'avoir un défenseur. Et avec moi, j'ai recruté Paolo Maldini. Tu vois, Paolo Maldini, c'est mon défenseur aujourd'hui. Il va mettre des. Et personne ne va passer aujourd'hui. Tu vois, il est prêt psychologiquement. Tu vois. Et lui, en fait, c'est notre striker. C'est HMC. Lui, il va mettre des frappes tout le temps. Bam, but, tu vois. Lui, il vient d'Iran. Ok, tu vas voir. La YouTube, on se faut toujours s'échauffer là, tu vois. Enfin, moi, je me chauffe jamais, mais là c'est un échauffement 5 étoiles. J'étais obligé de tester, tu vois. Tu vois, je suis au niveau 1 étoile pour l'instant. T'inquiète, on travaille. Merci. Merci. Merci.
Hier, il m'a dit tu mettras jamais de panne à ferme les jambes. Voilà, ça commence avant le match en plus. C'était un plaisir de faire un show de freestyle un peu avec Falcao. Comment je kiffe, il a un vrai toucher de balle. C'est pas à propos des tricks, c'est à propos du toucher de balle. Et le mec, faut le respecter parce que c'est cher. Bon, c'est le début du match. Là, on est en train de s'échauffer tranquille. Et après, on passe aux choses sérieuses. Quoi? Ah, vous voulez un geste? Les choses sérieuses commencent. Ça va être du lourd. Je sens que ça va être du lourd aujourd'hui. Au début, je commence toujours sur le banc. Mais j'aime bien, moi, en fait. Que tu vois, le gars qui va se commencer, après, ça va être calme. Et après, on fait rentrer la tempête. Tu vois, il y a toujours le calme avant la tempête. T'as compris? Pao, 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 pao. Franchement, pas de lacets, petit style qui monte. On est au calme avec les chaussures. J'hésitais avec les autres encore, mais là je vais faire la première mi-temps avec ceux-là et si je vois que ça va pas, je prendrai les autres. Enfin, KO direct, il a laissé rentrer le flow en lui. On a vu que, je sais pas, il jouait bien, tu vois, il y avait un délire. Grenier. Il a dit grenier. Tu connais grenier toi? Un 4-2 au score, c'est cool, on est bien. Un petit
ici au Liban. Ah, vas-y, viens au Liban. Parce qu'il reste 3%. Non. Piston, c'est juste pour dire, notre batterie, c'est bon. En fait, t'avais mis une batterie dans mon sac, j'ai pas compris. Donc, du coup, ben, on est à 100%. Ça fait 10 minutes, je filme pas. J'aurais pu filmer, en fait, tu vois. Donc, je vais filmer, vas-y. Oh, c'est un dernier, regardez, c'est un dernier. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Il m'appelle Garnier, faut m'appeler Sen, ils ont pas compris aussi au Liban. La youtubeuse elle est là les gars, elle est aussi au Liban. Merci à tous les youtubeuses libanaises. Yeah. Yeah. On lui dit dab, il dab direct. C'est un dab tout droit. Yo yo yo. On est avec quelqu'un qui avait posé la question dans le j'ouvre vos Snapchat. C'est quoi ton prénom? Rim. Et Rim, en fait, elle connaît plein de trucs. Alors, Rim, what do you know about all the videos? Yo yo yo, c'est la team squad. Ok, elle connaît ça. What is the name of my dog? Chanel. Elle connaît, oh là 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 là, elle connaît tout. Est-ce que toi aussi, la youtubeuse, tu connais tout? Hein? Je suis pas sûr. Fais comme elle, suis-moi partout. Bon voilà la YouTube, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog au Liban. N'hésitez pas à aller checker sur la chaîne S3 avec Jimmy et Melody le vlog qu'on a fait sur la chaîne S3, parce qu'il y a des trucs différents qu'on vous a pas montré ici. Donc voilà. Ensuite de ça, voilà, très gros remerciement à tous les Libanais qui nous ont vus, tous ceux qui sont dans la YouTube libanaise. Ça fait plaisir. Je sais que vous suivez la chaîne Coachéan, ça fait plaisir. Là, on m'appelle parce que je dois prendre l'avion. Et aussi merci aux mecs qui ont récupéré le t-shirt parce que je l'ai fait gagner au fan number one du Liban. Et la YouTube, j'ai même pas eu le temps besoin de descendre. J'allais demander à lui, au mec de l'accueil, de pouvoir accueillir ce maillot. Mais le gars, il a dit, c'est quoi le code? What is the code? C'est un Garnier Urban Ball. Voilà, il a dit le code comme j'avais mis sur Instagram. Il a gagné le maillot dédicacé avec nous. Merci tout. Beaucoup. Voilà. Bien joué, bien joué. C'est quoi ton nom? Karim Salah. T'as une chaîne YouTube, un Instagram, un truc? Oui. C'est quoi? Karim Salah S. Voilà, on va aller checker ce gars-là. Voilà, c'est le fan numéro 1 du Liban. C'est lui qui a gagné. C'est chaud, j'avais oublié la valise à YouTubeance. Voilà, mais parce qu'il me manquait trop déjà la team S3, tu vois. Allez, vas-y, on se barre, on va à l'aéroport. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vlog. Est-ce que vous voulez que chaque fois que je fais une destination un peu spéciale avec des guests et tout, est-ce que vous voulez que je continue à faire ce genre de vlog? Parce que moi, ça me fait plaisir un peu de faire des vlogs, de vous montrer ma life et tout ça. Ça, c'est la première chose à dire dans les commentaires. La deuxième chose à dire, il n'y a pas besoin de dire. Ensuite, si t'as kiffé la vidéo et si tu veux d'autres giveaways, faites-moi péter le nombre de likes. Tu vois, si t'as regardé la vidéo, c'est que t'as pas eu la flemme de regarder plus de 10 minutes de vidéo. Donc t'as pas la flemme de cliquer sur le like là, d'accord? Donc je compte sur toi la YouTube, si tu fais vraiment partie des YouTube, tu dois le faire. Sinon, gros merci à tous les Libanais. Franchement, vous avez kiffé, ceux qui sont venus, qui font partie de la chaîne YouTube surtout. Voilà, merci à vous. J'ai pas mis tout le match dans le vlog, c'est fait exprès parce que les meilleurs moments du match sont disponibles sur la chaîne internationale. Donc allez cliquer juste ici là sur le carré qui apparaît. Et si vous n'êtes pas abonné et vous faites pas partie de la YouTube, fais partie de la YouTube et clique sur le petit rond coach chaîne qui s'affiche. On se voit à la prochaine séance. Bye. Shit all day, all night, don't need no weed, I'm NASA high. Met this girl, her asinine, but of course she talks so asinine. And in my mind, I'm about to slaughter every beat.